Donc effectivement, j'ai choisi une forme peut-être un peu solennelle de parler comme ça devant vous, derrière un micro. Mais je pense que c'est la forme qui va me permettre d'assurer de rester dans un cadre temporel fixé, c'est-à-dire une vingtaine de minutes, je pense, pour expliquer ce qui s'est passé pendant cette résidence et l'objet qui en est ressorti. Alors cette présentation que je vous fais, elle reprend, tout en l'adaptant, celle que j'avais pu faire au WILS lors du colloque sur la question postcoloniale à l'épreuve de l'art. Depuis une dizaine d'années, je développe des activités éditoriales. J'agis sous l'appellation Établissement de Coût. C'est une entreprise artistique de micro-édition, plus exactement une maison d'auto-micro-édition, puisque les établissements éditent leurs propres projets. Parfois, ils collaborent avec d'autres structures, et c'est le cas ici avec Point Culture, qui manifestent un intérêt pour ce type de projet. La plupart des livres des établissements appartiennent vaille que vaille à la catégorie livres d'artistes. Pour rappel, le livre d'artiste apparaît dans les années 60 comme un hybride entre le champ de la création plastique et le champ du livre, qui a ses formes issues du codex, c'est-à-dire un ensemble de pages reliées, et le livre qui a une économie basée sur la reproduction. Avec le livre d'artiste se crée un mixte de ces deux champs, où un artiste conçoit et fabrique un objet qui est multiple par essence, un livre imprimé, qui peut croiser la lettre et l'image, et qui pense ses pages comme un espace d'exposition. Ainsi, un livre d'artiste n'est pas un livre d'art, qui lui a un caractère bibliophilique ou précieux. Il n'est pas non plus un livre sur l'art. Le livre d'artiste se matérialise et s'expose comme un projet de création. Les établissements travaillent sur base d'appropriation de documents, d'images déjà là. Ils pratiquent ce qu'on appelle la relecture de documents, c'est-à-dire qu'ils se plaisent à collecter et à monter des images ou des textes en vue de leur réinterprétation. Les établissements aiment parfois travailler sur des sujets qu'ils ne choisissent pas eux-mêmes, mais que les circonstances les amènent à rencontrer. Sur base de ce qui vient d'être dit, on comprend que les établissements se soient montrés intéressés par une résidence à Point Culture pour investiguer le contenu de leur collection de médias, considérée alors comme une archive dans laquelle se logeraient des documents relatifs au colonialisme ou au postcolonialisme. Les établissements pensaient ainsi dès le départ pouvoir fabriquer un projet de livre à partir de documents trouvés dans ces collections. Notons d'emblée que si les établissements ont un savoir-faire dans le montage de documents, ils ne sont pas spécialistes des colonies, ni de leur héritage, ni de leurs tabous. Avant leur résidence, ils n'avaient qu'une fois abordé l'époque coloniale dans un livre intitulé « À l'heure du thé chez Madame Colomb ». Par ailleurs, si les établissements sont familiers des images et des arts plastiques, ils n'ont aucune compétence ni expérience particulière en matière de films ou de musique, qui sont les médias propres aux collections de la médiathèque. Au début de la résidence, la première nécessité a été de définir un champ de recherche. Face à l'étendue des questions liées au colonialisme, postcolonialisme, dans le temps comme dans l'espace, il s'avérait nécessaire de limiter le propos. La recherche a donc été resserrée autour du Congo. Le choix du Congo revenait pour moi à poser la question de l'héritage que chacun en Belgique reçoit du passé colonial du pays. Cette question interpelle tôt ou tard, avec la possibilité, comme pour tout héritage, et particulièrement un héritage contenant un fort passif, soit d'y renoncer, ce qui reviendrait à s'accommoder d'une certaine idée du refoulement, soit de l'accepter, ce qui reviendrait à éprouver l'effet d'une rencontre et à encourir le risque d'instabilité, voire de rupture. Cet objet de recherche défini, donc les Congo belges, le Zaïre,
la RDC ou l'immigration d'origine congolaise, il a fallu établir quelques règles de conduite pour guider la recherche. Il y a principalement deux règles qui ont été retenues. La première règle, se comporter en collectionneur. Face à la collection des médias de Point Culture, les établissements réagiront en activant eux-mêmes une dynamique de collectionneur. Ils collecteront des éléments dans les collections. Ils les organiseront comme peut le faire un collectionneur. Ce sont en effet des opérations de sélection, d'analyse et d'arrangement qui métamorphosent un amas d'objets en un ensemble nommé collection. La seconde règle de conduite a été l'indifférence. Face aux collections de Point Culture, les établissements opteront pour une position de détachement, de distanciation. Le fait de ne pas connaître à l'avance les médias de Point Culture y aidera d'ailleurs beaucoup. L'indifférence est l'état d'esprit de celui qui se tient détaché, qui ne prend pas soin de distinguer et d'affirmer son point de vue. Autrement dit, face aux matériaux à manipuler dans les collections de Point Culture, il ne s'agira pas de partir d'un positionnement des établissements de coût sur le colonialisme, post-colonialisme, qui serait ensuite illustré par certains des médias disponibles dans les collections de Point Culture. Il s'agira au contraire d'avoir confiance dans le fait qu'un propos viendra bien à se dessiner à partir des éléments du fond de la collection des médias de Point Culture qui seront retenus. Autrement dit, c'est à partir du matériau qui aura été manipulé et sélectionné dans les collections de Point Culture que quelque chose devrait bien finir par se dire ou se montrer sur le colonialisme ou le post-colonialisme. Pendant qu'ils imaginaient progressivement ce cadre de conduite, avant de consulter les collections de Point Culture, en guise de préambule à leurs recherches, les établissements se sont exercés à la constitution d'une collection. Ils ont en effet commencé une collection de cartes postales, de bateaux, de la Compagnie belge maritime du Congo. Cette manipulation d'images de paquebots leur a fait se rendre compte d'une difficulté du rapport au colonialisme, à savoir la nostalgie de l'exotisme. Une approche du Congo belge est toujours menacée par un imaginaire exotique dont sont empreintes, par exemple, les cartes postales de la première moitié du XXe siècle. Enfin, est rapidement venu le temps de la recherche dans les collections de la médiathèque. Mais que contiennent ces collections? À Point Culture, les établissements se sont vus attribuer un poste de travail avec un accès au moteur de recherche pour l'ensemble des collections de médias, avec des entrées par auteur, titre, pays ou mots-clés. Une recherche par pays répertorie à Congo ex-Zaïre un média classique. Il s'agit d'une symphonie congolaise, mais qui, après vérification, a disparu des collections. Et 731 médias non classiques, tous classés dans la catégorie musique du monde. Parmi les enregistrements repris dans Congo ex-Zaïre, il s'en trouve certains liés clairement à la période du Congo belge. Une recherche au mot-clé Congo belge recense un média non classique et 16 vidéos documentaires. Via le site Point Culture, le mot-clé décolonisation renvoie à une vingtaine de médias. Et les mots-clés colonialisme ou colonisation renvoient à un peu plus de 200 médias pour la problématique dans son ensemble, tout continent confondu. Le mot-clé post-colonialisme fait apparaître un média seulement. La fréquentation de la médiathèque montre aussi que quelques médias qui auraient pu concerner le Congo se trouvent dans certaines collections sans être répertoriés dans la base de données sous les divers mots-clés que j'ai évoqués précédemment. C'est le cas, par exemple, pour le travail de jeunes chanteurs d'origine congolaise, des enfants de la diaspora congolaise vivant en Belgique, qui se trouvent, eux, classés dans la catégorie chansons françaises, rap belge. Comme matière donc, les établissements ont finalement une liste
d'environ 800 titres de médias renvoyant au Congo, alias RDC, alias ex-Zaïre, alias ex-Congo-Belge. Ces 800 véhicules potentiels, dont 85% sont de la musique, forment l'archive à exploiter durant la résidence. Après cette présentation assez longue de la méthode de travail définie et du corpus de médias identifiés, il est temps de regarder le livre qui est finalement ressorti de cette résidence. La couverture muette présente le boîtier d'un CD accompagné de sa référence dans le catalogue Point Culture. Quand il était question tout à l'heure d'indifférence, cela s'applique à cette image qui est indifférente en tant qu'elle ne différencie pas. Elle s'expose sans distinguer la qualité de son usage. Elle est ambivalente. L'éléphant peut tenir une place dans une iconographie exotique de type colonialiste, comme dans une symbolique identitaire africaine. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'éléphant forme le blason du pays. Les pages de garde égrènent la liste des médias dont une trace se retrouve dans le livre. La liste compte une septantaine de médias des collections Point Culture, desquels ont été extraits tantôt des visuels, tantôt des textes. Le livre s'ouvre par une phrase extraite d'un livret accompagnant une sélection de films coloniaux. Les Blancs ont amené leur propre danse. La fin de cette phrase forme aussi le titre du livre. En pointant la danse comme élément déterminant pour le livre, on agite une même ambivalence qu'avec l'éléphant. La danse des Africains est à la fois cliché exotique, le noir est un grand enfant qui s'amuse et qui danse, et signe identitaire. La culture noire revendique la rumba, le hip-hop, etc. Notez cependant que le titre fait allusion à la danse des Blancs, et que la première image du livre qui montrera des Européens dansant à bord d'un bateau pour l'Afrique, les montrera dansant le rock, dont on connaît pourtant les origines métissées. Le livre a une structure en trois parties, qui n'est pas affirmée d'emblée, mais qui se dessinera à partir des types de documents contenus dans chaque partie. La première partie, introductive, expose une collection de salons de musique désert, sur des paquebots de la Compagnie belge maritime du Congo. Elle est formée de la collection constituée par les établissements dont il a été question précédemment. Il s'agit de l'Elisabethville, du Tisville, de l'Albertville, etc., tous ces paquebots qui contiennent en leur nom la marque de la puissance coloniale de ses dirigeants ou de ses exécutants. Quelques accents coloniaux du seul média classique de Point Culture associé au Congo ex-Zaïre et qui a disparu des collections. Jean de Midelaire, la symphonie congolaise avec ses trois parties. D'abord sur la grande route, deux en forêt tropicale et trois plein soleil. Toujours sur une carte de la Compagnie maritime belge du Congo, cette scène de danse des Blancs dansant le rock qui a été évoquée. Pour fermer la première partie, extrait d'un document sonore sur le Congo, la question de la peur, évoquée elle aussi sous forme indifférenciée, et qui devient la peur de l'altérité en général. Vous le comprenez, tout le contenu du livre sera appropriation. Vous remarquerez aussi un parti pris dans la mise en forme des textes, la suppression de la ponctuation. Elle vise à brouiller quelque peu le repérage de la structure de certaines phrases. Elle contraint aussi à une attention accrue du lecteur. Elle offre aussi une interprétation plus libre du tempo selon lequel déroulait la lecture. La seconde partie du livre, qu'on est donc en train de regarder, contient des bouts de texte tirés des CD musicaux, plus quelques reproductions de pochettes de certains CD musicaux, plus enfin une suite d'images extraites de films documentaires. C'est la partie la plus grande, c'est la partie qui véritablement exploite le fond des collections de Point Culture. Les documents sont rangés selon l'ordre des références des médias dans les collections de la médiathèque.
La logique de construction linéaire de sens éclate donc, on s'en doute, entre des extraits ainsi arbitrairement accolés. L'ordre de classement des collections défait tout cadre cohérent d'intelligibilité au profit du divers et du lacunaire, au profit de l'ouverture à une connaissance traversière, pour reprendre l'expression que Didier Huberman utilise pour vanter les vertus du travail de montage d'éléments disparates. Ainsi, les extraits que l'on a déjà aperçus évoquent successivement les enregistrements de musique traditionnelle d'Afrique centrale par Hugh Tracé, l'indépendance du Congo et son hymne chanté par le Grand Calais et l'African Jazz, les enregistrements de musique moderne congolaise après la Seconde Guerre mondiale, des témoignages de rencontres plus ou moins violentes entre indigènes et étrangers, le développement de Kinshasa et corollairement le développement des orchestres urbains, un titre de l'African Fiesta, le dynamisme des chansons populaires, les rapports entre musique et politique dans les sociétés africaines, l'affirmation d'une volonté de libération dans les années 50 suite à la participation de troupes congolaises de la force publique sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, les orchestres comme machine à faire danser et l'invitation à remuer les hanches. Les extraits qui suivent évoquent la fertilité des sous-sols congolais, la rumba comme élément fédérateur des diverses communautés ethniques rassemblées dans les faubourgs grossissants de Kinshasa, Adou Elenga comme compositeur de la première chanson évoquant à demi-mot en 1947 l'indépendance, le développement prospère des bars, des clubs, des dancing et de l'industrie du disque durant les années 70 à Kinshasa, une chanson publicitaire d'une star congolaise pour vendre des Volkswagen à travers le Zaïre, la campagne de Mobutu pour le recours à l'authenticité, le refrain d'une chanson de Franco à laquelle un sens allégorique est parfois attribué, qui voit derrière la manière extrêmement pressante dont est dit « laisse-moi partir, laisse-moi partir » une motivation autre et plus urgente que celle d'aller faire danser. La vitalité du Lingala, sa capacité d'adaptation et de création de mots, cette suite de fragments de textes issus des livrets des disques continuera plus loin, mais est interrompue par une série d'images tirées de quelques clips vidéo, ou le plus souvent de films documentaires. Les films documentaires sont assurément la source d'information la plus accomplie au sein des collections de Point Culture concernant la présentation et l'analyse de situations coloniales ou postcoloniales au Congo belge, Zaïre ou RDC. C'est sans doute pour cette raison que les établissements ont préféré diriger leur attention vers un motif secondaire, fugace dans certains de ces films, mais néanmoins récurrent, la danse, annoncée, vous vous en souvenez, dès les premières pages du livre. Les captures d'images fonctionnent ici comme une collection, rassemblée dans le but de montrer une diversité d'expression de la danse, sachant toutefois que leur observation pourrait faire apparaître quelque chose de la sociologie, de l'économie, de la politique, de l'histoire. La collection regroupe une variété de figures en mouvement, diversement figées, au temps de la colonisation, de l'indépendance ou de la période coloniale. Ces images sont classées aussi selon l'ordre des références des médias, dont elles sont tirées, à la médiathèque. Au milieu de ces clichés de danseurs sont jetées deux images de boxeurs, dont celle de Mohamed Ali, et un dialogue sur la liberté dans lequel il intervient. C'est dans le documentaire Soul Power, consacré au festival de musique qui s'est tenu en marge du match de boxe du championnat du monde à Kinshasa en 1974. La danse comme mesure, la danse comme débordement, la danse comme spectacle scénographié, la danse comme élan spontané, la danse tradition ancestrale, la danse mode passagère, la danse comme fête, la danse comme rite, la danse comme divertissement, la danse comme protocole,
la danse comme cérémonie au service du pouvoir, la danse comme signe de résistance, la danse comme repli communautariste, la danse comme métissage, la danse anonymat populaire, la danse distinction mondaine, la danse... Le traitement des documents met en œuvre une dimension patchwork, articule des perspectives éclatées. C'est d'abord une manipulation de textes préexistants qui se trouvent fragmentés, décontextualisés, et puis leur montage. Chaque fragment se trouve connecté, selon un ordre qui n'est pas propre à une argumentation logique, au fragment qui le précède et le suit, à ceux dont le lecteur garde la mémoire, à ceux qu'il trouvera à lire plus loin. Les extraits prélevés se trouvent recontextualisés dans un dispositif livresque qui fait voir de nouvelles connexions entre les fragments hétérogènes concernant des faits aussi divers que ceux énumérés. De manière plus générale, ce que semble faire ce livre, par son parti pris qualifié d'indifférence et par son absence de ponctuation, c'est de laisser le lecteur lui-même ponctuer, décider des accents à donner dans le flux de brèves informations qui s'écoulent au fil des pages, entre plages blanches, blocs serrés et courtes phrases agrandies et faussement structurantes. C'est le lecteur qui ponctue, c'est lui qui interprète des liens de sens, là où une suite de fragments d'emblée ne suffirait pas à apprendre grand-chose sur l'histoire du colonialisme ou du post-colonialisme. La dernière partie du livre est une interview de Pierre Antine, directeur de la médiation à Point Culture et initiateur de la mise en évidence de la thématique colonie, héritage et tabou. Pierre Antine répond à des questions sur les contenus des collections Point Culture, leur traitement, leur manière de faire archives, les motivations du choix de la thématique colonialisme-post-colonialisme, les manières de faire parler les collections, et enfin sur ses liens personnels avec le Congo, où il est né. Alors que le livre, pour l'essentiel, associe des indices tirés du fond des collections, avec les incertitudes que suppose leur lecture, cette interview confie à l'initiateur du projet de résidence à Point Culture le soin de parler clairement sur ce qu'une collection de médias peut avoir à faire avec le colonialisme et le post-colonialisme. La rencontre avec Pierre Antine a aussi été l'occasion de ressortir quelques documents de ses archives familiales, parmi lesquels des photographies de bateaux de la Compagnie belge maritime du Congo, que les colons, après le développement des liaisons aériennes entre Bruxelles et le Congo, empruntaient essentiellement pour les voyages accompagnés d'une grande quantité de bagages, généralement le voyage de retour. Ces photographies de paquebots, reproduites en fin de livre, sont donc une manière de boucler la boucle selon les modalités d'un déplacement ida y vuelta, aller et retour. Une ultime citation, extraite des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, est reprise dans un film Concerning Violence qui appartient aux collections Point Culture. Allons camarades, le jeu européen est définitivement terminé. Il faut trouver autre chose. Reste à franchir la page de garde, continuant la liste des documents exploités, avant de refermer le livre. Les établissements espèrent avoir offert, à l'issue de leur résidence, une proposition de livre qui interpellera le lecteur, le fera s'arrêter sur certains fragments de texte ou certaines captures d'images, et le mènera peut-être à l'amorce d'un positionnement critique de l'histoire, si tant est qu'un des rôles de l'activité artistique soit celui-là. Par ailleurs, ce livre, s'il venait à accompagner un usager dans sa fréquentation de la médiathèque, serait non un guide pour tracer un chemin précis, mais un indicateur pour pointer quelques indices épars et permettre de rencontrer, depuis les collections archives de Point Culture, une certaine mémoire de l'histoire du colonialisme et des questions post-coloniales. Il me reste à souhaiter que Point Culture puisse renouveler avec d'autres artistes de semblables expériences de résidence autour de leurs collections,
Je vous remercie de votre attention. Je vous signale que le livre se vend 10 euros.